Salut. Salut à toutes et à tous les amis, ici Message Kaiser du von docteur Kerstein Sinclair. de Planète Total War. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Jurassic Park Opération Genesis pour l'épisode 10 de notre série. La dernière fois, on avait réussi à obtenir le parc à 5 étoiles. Donc on était un peu tranquille de ce côté-là. Donc là, je vais essayer de continuer. Je pense que ce sera le dernier épisode de la série. Je vais compléter cet enclos, je pense, avec des Salut, dinosaures, à peut-être qui le je réponds? brachiosaure ou le stégosaure, à voir. Comme on a l'ADN. Message du Hop, où docteur est-ce qu'il Roux. est? Il est là. Le premier qui aura 100%, ben on va le mettre. Alors, Gallimimus est mort, où ça? Que devons-nous faire? Ah, malnutrition, rip. Ça commence bien. Plaisir de vous revoir. Donc, on va reprendre Gallimimus. Pas de problème. Voilà. Alan, rien. Que Carnotaurus. devons-nous faire? Ah, Brachiosaure à 87%. Voilà. Donc bon, on va surveiller un peu comment ça se Message passe. du Hop. docteur Grant. Massif, Morrison, B. Épuisé. On va rajouter 3 là. Les raptors qui massacrent les vaches, hein, comme vous le voyez. Nos deux ceratosaures là-bas, bah, ils sont tranquilles dans leur coin. Message du docteur Grant. Argentinosaurus, ça nous sert à rien. C'est pas exclu du film. Alors, est-ce que je testerai pas un nouveau truc? C'est quoi? Attraction. Alors, l'entrée du tunnel, ça se passerait comment? Si je la mets là. Message du docteur Grant. Ah, sinon, c'est un tunnel pour voyager dans le parc. D'accord. Voilà. Message de John Hammond. Et John Hammond. Message urgent Alors, du qu'est-ce qui se docteur passe encore? Sinclair. Putain, ils sont tous malades, mais faut arrêter. C'est quoi qu'il a? Abcès plantaire, génial. Bon, Ok, pas très bien chef. vacciné tout ce monde. Et je sens qu'on va nous taper sur les doigts du fait que les Vous dinosaures devez sont venir nous malades. voir tout de Ah suite. non, c'est toujours le même. Par rapport aux 5 étoiles, et gnagnagna. Nous aimerions parler de vos performances. Oh, proto à 1479 points, 5000 Message dollars en plus. du docteur Grant. Alors lui, c'est pareil, qu'est-ce qu'il a? L'abcès plantaire aussi? Mais comment tu veux qu'un abcès Ok. plantaire soit contagieux d'une espèce à l'autre? C'est pas logique. C'est quand tu marches, je veux bien, mais. Oh non, pas les trucer, Vous faut devez arrêter. faire quelque chose. Message du Allez, docteur. on va encore faire du pognon. Allosaur, ça Quelles c'est sont bien. vos instructions? Camarasaurus, on prend. Absolument. Allosaur, on prend. Bonjour. On va essayer de voir les photos, on va les effacer, on va refaire une. Ah non, là y a rien, ok. excusez-moi. Je rentre à la base. Gisement d'opale. C'est toujours de l'argent. Ouais. Message du docteur Wu. Première photo. Là, c'est pas le bon enclos. Ah, voilà une belle photo. Une photo formidable. C'est comme ça qu'on rend populaire le parc. Là-bas, attends, j'essaie de faire le tour. Il faut que je pivote. Une photo formidable. Voilà. 454 points. L'autre ballon. On va essayer de faire quelques photos là. Un peu en mode Message safari. du docteur Wu. Oui, bah 2 minutes en rien. Deux ceratosaures, 11 points. Hop, parfait. Mais ils sont où les... Ah oui, ils sont là-bas, non? Superbe composition. Parfait. Et là. Voilà. On a fait plein de nouveaux photos. Peut-être qu'on va Je avoir des pensais que bonus. vous pourriez avoir besoin Hop. d'aide. Kentrosaur, ça c'est cool. De l'argent, on vend. Oh. Oui. Message du docteur. Ok, livraison de fossiles, on va voir ce qu'il y a. Putain, Triceratops, évidemment. Non, Superbe. finalement, on l'aura plus vers la fin. Stégosaure, on le prend. Je crois que ce sera lui qu'on aura. Ankylosaure, on va Pas de récupérer. problème.
crois que c'est tout. Déjà, priorité, stégosaure. Absolument. Triceratops. Ankylosaure. Alors, l'enclos. Bon, donc lui, il sera pas mal, là, je pense. Message du docteur Grant. Alors, Alan. Reste de point, point. Voilà. Oups, j'ai oublié les mangeoires. J'espère qu'il y aura assez de place pour les quatre. Salut. Message du docteur Grant. Ici, c'est bien. Allosaure, on continue l'extraction. Et là, on voit que nos visiteurs adorent les jouets de Jurassic Park, hein, donc avec ce magnifique joujou. Et 80% de score de dino quand même pour celui-là, chapeau. Message du docteur Wu. Rien. Ok, Triceratops à 100%. Ça prend forme. Ankylosaure, ça va débuter. Du coup, Triceratops, il vit 37 ans maintenant, vous imaginez. Finalement, Triceratops, on l'aura eu. Hein. Bon, bah, du coup, je vais lancer 4 stégosaures. Hein. Ça me fait coûter à pas loin de 16 000. Mais ça vaut le coup. Je vais monter à 20$. Parfait. Une tour ici en attraction. Et je vais rajouter des toilettes parce que voilà. Les visiteurs. Mesdames et messieurs, ah bah, nous sommes heureux de vous annoncer un nouvel arrivant dans le parc, le Stegosaurus. Cet herbivore du Jurassique est connu et réputé dans le monde entier. Et voilà. Hop. Un nouveau dinosaure. Le stégosaure. Donc vous le voyez, il a des plaques dorsales sur le dos, ça le protège des prédateurs en partie. Et il a une grosse queue à pointe. Donc ça, c'est très pratique pour tataner de l'allosaure, par exemple, hein, comme c'est au Jurassique ou du ceratosaure. Donc c'est très intimidant. Et il est le compagnon du kentrosaure. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc c'est ce gabarit-là, 4 étoiles, 9 mètres. Kentrosaure, donc alors je vais essayer de vous le trouver. Si c'est dans l'ordre alphabétique. Voilà, donc c'est aussi un peu plus petit, quoi. Bon, il y en a déjà deux qui pop. Que devons-nous faire? Diplodocus, non. Carnotaurus, non. Ça va nous refaire. Pas loin de 7000. On va récupérer quasiment deux stégosaures d'acheter, quoi. Quelles sont on efface. Alors. Au niveau des fouilles. Je sais qu'on avait 3 équipes là-bas. Alors. Que devons-nous faire ici? Diplodocus, on continue de vendre. Excellent. Bon, bah, le parc, il va être content. Là, les gens, je pense qu'ils vont être contents avec une nouvelle espèce de ce gabarit. Ah oui, les toilettes, zut. Message. Parce que les visiteurs, s'ils vont pas aux toilettes, ça va pas aller non plus, quoi. Attraction. Un service, toilette, on va en... Non. Service, toilette. On en met deux. Salutations. Voilà. Et pourquoi pas ajouter message une zone de repos. Juste là. Que tout le monde puisse se poser quelques minutes. Enfin, un petit temps, pardon. Oups. Clic et tadam, il y a quand même quelques personnes qui viennent, mais bon, faudrait que j'essaie de pourquoi j'ajouterais pas une entrée là, tu vois. Ouais, on va essayer de rajouter une entrée. Écoutez, hein. Après, est-ce que ça bloquerait pas complètement l'accès? J'espère pas. Message du docteur Grant. Donc on va développer une troisième entrée, hein. On va essayer de l'agrandir. Henri, alors attends. Qu'est-ce qu'on a? Camarasaurus, ok, allosaure. Bah, allosaure, camara.
Styroraptor, on l'a déjà. Dôme d'observation développé, ça c'est bien. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on va améliorer la sécurité à fond avec les tours à sentinelle. Ah bah voilà, les brachiosaures. Oui. Construisons une petite extension par là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc on va mettre d'autres services. Stand de souvenirs, je pense que ce sera un bon début. Et c'était quoi que je cherche? Ouais, voilà, le kiosque pour se restaurer. On va vite faire le menu Rex Burger Frites à 30$. Comment allez-vous? On va faire le souvenir sac Jurassic Park et boule dino à 20$ d'euros. Message du docteur Wu. Alors, c'est bien, c'est bien. En Europe, est-ce qu'on trouve des trucs? Complètement épuisé. On va retourner au Jurassic. On va rajouter deux équipes en plus. Diplodocus, on le vend. On va essayer de dynamiser un peu cette zone, hein, mais ça risque de pas être évident, mais on va voir ce que ça donne. Donc l'abcès plantaire a été réglé apparemment. Argentinosaurus, non. Non. Bon bah là les quatre, ils doivent bien s'entendre. C'est un plaisir de vous. Ah, les gens ils se plaignent parce qu'il y a beaucoup de monde aussi. Bah ouais, les gars, c'est un parc, hein, c'est pas. Il y a d'autres zones, hein, si vous voulez aller voir. Par contre, je vais peut-être ouvrir une nouvelle station de nettoyage. Hop. Là, ça passe message pas. Du docteur Grant. Ajoutons tous les nettoyeurs disponibles. Que voulez-vous qu'on fasse? Massif Morrison B, on va essayer. Oui. Peut-être qu'on trouvera le reste du Camarasaurus. Ou du Brachiosaur, qui sait. Bienvenue. Zone de jeu, ouais. Bah là, ça le mérite très bien le titre. Comment allez-vous? Bon, bah voilà, les gens vont voir. Que voulez-vous qu'on fasse? On vend l'Argentinosaurus. Bon, en tout cas, ce parc-là, on peut dire que c'est vraiment une réussite. Hein. Salut. Peut-être que je passe à 400$ bientôt l'entrée. Avec le nombre d'espèces qu'on a. Message du docteur Grant. Camarasaurus, excellent. Que devons-nous faire ici? Je vais juste voir s'il n'y a pas eu une nouvelle surprise au cas où, mais j'y crois pas. 96%, ouais. Non, il n'y a toujours rien pour le Kentrosaur. Le grand carnivore, bof. Je sais pas ce que c'est que ce dinosaure, mais bon. Il dirait une sorte de vieux raptor. Message du docteur. Ok. 34% pour le Camarasaurus, ça c'est bien. Là c'est bien, on arrive un peu à dynamiser cette zone. Alors du coup niveau fouille, je comprends pas pourquoi ils disent 10 sites sur... Alors attendez, il y avait des équipes que j'avais paumées, j'en avais 9. J'en ai 6 là, ok, 3 là-bas. Alors, Carnotosaurus et deux lambes. Bon, les lambes on extrait. Le Carno, on le revend. On va voir s'il n'y a pas d'autres soucis dans le parc, on sait jamais. Je vais comprendre un peu les... Je pense que lui, il a pareil aussi, Iran. Ou elle. Bah ouais, il y a du monde. Qu'est-ce que tu... Je suis désolé, t'es dans un parc pour tout le monde, public, hein. C'est pas pour une élite.
Ouais, si t'aimes pas, tant pis, hein. Moi je peux rien faire pour toi, ma vieille. Alors, normalement, tous nos stégosaures sont immunisés contre toutes les maladies, ouais. Donc là, on n'a plus à payer de vaccin pour les nouveaux dinosaures, maintenant ça, c'est bien. Que recommandez-vous dans ce cas ? Ah, c'est du Camarasaurus. Donc en gros, pour faire simple, Camarasaurus, c'est un proche du Brachiosaur, mais en version plus petit, quoi. Quelles sont vos instructions ? Alors, Camarasaurus, on continue l'extraction. Le gros prédateur qu'on connaît pas, on le vire. Message du docteur Grant. Allosaure, tiens donc. Ouais. Là, ils sont, là il y a une sieste collective ici avec entre les différents herbivores. Le vieil acrocanthosaure, lui, bah, il est toujours bien. Il a qu'un an, mais il peut vivre encore 24 ans, on a le temps. Qu'en pensez-vous ? 69%, putain. Oh là là, les raptors. Toi qui font toujours le ménage là au niveau de la bouffe, c'est bien ça. Message du docteur Grant. Ça, c'est encore un dinosaure qui nous intéresse pas. Voilà. On regagne pas mal de sous, hein. Là, c'est plutôt plaisant, mais c'est de remonter aux 270 000, 280 000 si on a suffisamment de chance. Là, j'ai mis une clôture intermédiaire parce qu'avec les stégosaures, je préfère être prudent. Excusez-moi. Bon. Là, je peux pas construire grand-chose. Oh, attendez. Si, j'ai une idée, un tunnel. Alors, le tunnel. Message du docteur Grant. Tu le mets là. Et l'autre, tu le mets. Bah là, il y a déjà un. On va les faire circuler d'une entrée à une autre. Tiens, ça peut être pas bête ça. Message voilà. Du docteur Grant. Ils peuvent voir depuis sous terre, ça c'est bien. Ah bah voilà. Alors, ça c'est bien et ça c'est bien. Donc on va vite ouvrir un nouvel enclos. Ouais, on va l'ouvrir là. Si on a de la place. On va pas traîner. Je vais vite faire cet enclos avant de couper la vidéo et d'ouvrir la couveuse. Merde, tant pis. Donc là j'utilise un petit peu les touches du clavier ZQSD pour les directions comme vous pouvez le voir. Donc là j'ai eu des messages, je les regarderai après. Et ce sera pas mal je pense. Oh zut. Là on peut refermer la clôture et ouvrir l'attraction, une nouvelle attraction 5 étoiles. Voilà, John Hammond, là, conseil d'administration DJ en prime, il va être bien content. Alors je construis tout de suite message la couveuse, quelques collines, non pas montagne, colline, ah merde, je me plante, non, à point d'eau par contre, oui, je vais mettre un gros point d'eau là, par contre je vais réplanir derrière où ça n'a pas été, excellent, du coup, attraction, je vais message mettre. Du docteur oh non, encore une épidémie. Alors, John Hammond. Résultat fantastique. Bah, dommage qu'il n'y ait pas plus de variété dans les messages. Ok, ça c'est fait, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Quelles sont vos instructions ? Lequel ? Malnutrition. Oula, j'ai des petits problèmes de malnutrition. J'espère que c'est pas dû à la surpopulation message de dinosaures. Du docteur Grant. Pas la population. Bon, ça va, ça me coûte pas cher. Camarasaurus, bon, l'opale, on le vend. Vite. Le Camarasaurus, on l'extrait. Donc là, je vous annonce qu'on a potentiellement une nouvelle attraction 5 étoiles. Message du docteur Grant. Et je vais ouvrir aussi une tour d'attraction. Une tour. Parfait.
Et on va rajouter dinosaures, deux mangeoires herbivores, quelques arbres. Message du docteur Wu. Ils sont tellement grands les cabrelocusors que celui qui le voit pas, je pense qu'il est aveugle. Hein. Un plaisir de vous grand voir. Herbivore, vite. Et tu vas en former. Bien sûr. Tu m'en as formé 4, tiens. Rien. Un plaisir là, vous voyez, l'extraction d'ADN est très rapide. 54 ans, vous imaginez, un dinosaure qui vit 54 ans. Et je vais créer une autre entrée de tunnel. Vite, vite, vite. Attraction. Tunnel. Mesdames et messieurs, vite, vite, votre attention, s'il vous plaît. Nous avons une annonce spéciale. Une nouvelle attraction 5 étoiles vient d'arriver à Jurassic Park. Le Brachiosaurus. Gigantesque herbivore du Jurassique et le plus grand dinosaure du parc. Ouais. Les amoureux de la nature ne doivent pas manquer ce magnifique dinosaure qui incarne la puissance et la majesté du Mésozoïque. Voilà. Bienvenue au Brachiosaur, il est énorme, hein, comme je vous le disais. 5 étoiles l'animal. Hein. C'est ce qu'on voit dans le 3 pour info. Donc les stégosaures, on le voit vite fait dans le 3, surtout dans le 2. Ah bah tiens, il y en a déjà un deuxième qui est créé quoi. Que devons-nous faire ? Nouvelle raison de fossile. Message du docteur. On va vite prendre le Camarasaurus. L'ankylosaure. Certainement. Et le Kentro. Le reste n'a pas d'intérêt. Bien qu'on ait du T-Rex, hein, mais bon. Oh, ils sont buggés là. Ouh. Que devons-nous faire ici? Ah, de l'ambre. Extraire. Vendre. Extraire. Extraire. Aucun problème. Et extraire. Bon, bah c'est pas mal. Message de l'administrateur. Alors qu'est-ce qui va pas? Alors les gens ils disent que c'est fantastique et dit l'autre il est pas content, super. C'est un plaisir de vous revoir. Message du docteur Wu. Alors, c'était du Brachiosaur. Oh. Message du docteur Grant. Normalement vous pouvez les voir, non, les Brachiosaurs d'ici. Putain, vous imaginez 4 de ces titans là? Est-ce que ça devait donner avant? Que devons-nous faire? Oui. Voilà. Un plaisir de vous revoir. Message du docteur Wu. Bon allez. Je vais vous montrer le Camarasaurus et après là je vais cesser la vidéo. Je pense que vous aurez plus de 20 minutes, 20-25 minutes. Message urgent du docteur Wu. Bah, pour le moment Henri, bah voilà. Tour Sentinelle sauf fait. Projet Safari, même si on n'utilisera jamais. Voilà. Par contre, niveau d'éjection, ça c'est un peu petit pour un gros dinosaure, je sais pas vous, mais. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer un nouvel arrivant dans le parc, le Camarasaurus. Cet herbivore du Jurassique fera la joie des amoureux de la nature. Voilà, donc c'est un brachiosaure miniature. Hein. Message. Donc avec ils sont bons compagnons avec les brachiosaures. Donc voilà, 19 mètres pour le Camarasaurus. Et l'autre, 25 mètres. Donc il n'y a que 6 mètres de différence, mais surtout parce qu'il y en a qui est un peu plus long que l'autre. Donc là, l'ankylosaure c'est bon. Message. Là, c'est bon. De l'or, on le vend. Argentinosaurus, on vend. Donc voilà, ceci est la fin de l'épisode 10 de Jurassic Park Opération Genesis. Donc le parc a continué de grandir et a rajouté 3 nouvelles espèces du Jurassique. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous souhaitez que je continue la série là-dessus, n'hésitez pas à le mentionner. Si vous voulez que je passe à autre chose, comme Warhammer 2 et le Roi des Tombes, vous me le dites et après je déciderai. Je vous dis à la prochaine. Ah, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire les amis. Je vous le dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein de Planet Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis. Au revoir.